Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Union Sport. En dessous, vous êtes tous abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant sur la cloche. Marchez un peu, il y a du bruit là, il y a trop de bruit. Et effectivement, il y a du bruit, marchez un peu. Comme vous disais mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant sur la cloche si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur ce bouton là, si pas d'accueil, abonnez-vous sur notre chaîne pour nous soutenir. Activez la cloche là-bas aussi, c'est très important. J'espère que le bruit ne va pas vous gêner, nous sortons un peu. Mais nous ne pouvons pas nous taire sur tout ce qui a été se passé en ce moment sur les réseaux sociaux. Ah! Quelqu'un est décédé. Bon, moi je n'ai pas encore vu son corps, je n'ai pas confirmé qu'il est décédé. On va dire disparu là. Quelqu'un a disparu, une star a disparu. La personne est partie. Et depuis là, les gens ne font que se faire la guerre sur les réseaux sociaux. Ah! Mais qu'est-ce qui n'a pas marché au juste? Chaque jour, il y a des nouveautés. Chaque jour, il y a des nouveaux sons. On appelle ça chez nous les nouveaux sons. Cela veut dire ceci. Le cela veut dire cela. Et finalement, on se pose la question de sa mère. Qui dit la vérité au final? Le gars est mort dans une situation vraiment tragique. Je dis bien tragique. Accident de moto. Il roulait à pleine vitesse lorsqu'il a percuté un véhicule. Ça veut dire que c'était tellement fort, la douleur était tellement forte que le gars, il est tombé tout de suite dans le coma. Or nous, on sait que cet homme, c'est un homme vraiment très fort. Physiquement, il est fort et mentalement aussi. Mais tellement la douleur l'a dépassé là. Cet homme a rendu l'âme. Bon, il est tombé dans le coma en même temps. Ça veut dire que s'il est vraiment mort, ce n'a pas été facile pour lui de mourir. Parce que sa mort a été terrible. C'est une douleur terrible. Ce qu'il a ressenti dans son corps était trop. Au point où ça l'a emporté sur le champ. Ah! Et voici qu'il est décédé. Les gens sont de dire. Les gens sont de dire, oh, qu'il repose en paix. Nous, on a cru que ça allait s'arrêter à là. Mais beaucoup de personnes sont venues exprimer leurs émotions sur les réseaux sociaux. Vous savez, si vous aimez vraiment un gars et que vous voulez vraiment lui faire plaisir, ne cherchez pas à montrer à tout le monde que vous l'aimez. Il faudrait que vos relations soient vraiment personnelles, soient intimes, soient dans le secret quoi. Mais quand vous venez sur les réseaux sociaux pour pleurer, juste et puis vous filmez les gens quand vous voient, tout le monde quand vous voit que vous êtes en train de pleurer. Et puis c'est donné un jeu. Au moins si c'est une personne qui a fait là, on va comprendre. Mais déjà on commence à se suivre. C'est vrai, c'est dur. Et tu ne peux contenir tes émotions. C'est pourquoi tu pleures. Mais à un moment donné. Même des gens qui n'ont pas vu de pleurer ont venu faire semblant de pleurer. Juste pour montrer aux gens qui étaient avec cette personne. Ça là. Cette personne là, elle voit tout ce qui a été passé. Si elle voit que c'est du fake, vous êtes en train de faire semblant de pleurer, ça sera même chaud. Et les gens sont en train de faire des trucs. Ah! Mes frères et sœurs. Voici encore quelque chose de grave qui a été ce produit. Les gens disent que sa femme a tenté de se suicider. On dit qu'elle a bu de l'eau de Javel. Vous voyez toujours, on dit quoi? On dit, oui, elle a bu de l'eau de Javel, elle voulait mourir. Mais qui est le on dit?
les réseaux sociaux souvent les réseaux sociaux des réseaux sociaux souvent ils massacrent les gens quand même hein. Vous massacrez les gens. Et on dit le gars est décédé, il est décédé. Lui-même il était cherché comment trouver une porte pour pouvoir partir. Il était en ce moment ce que c'est pas, il était chercher le chemin pour pouvoir partir, la porte pour pouvoir partir. Et tout ce qui se passe autour là, il voit tout, il entend tout, il regarde tout jusqu'au jour de son enterrement. Celui qui dit vrai, celui qui ment, celui qui dit fou, le gars il attend tout. Quand quelqu'un meurt avant son jour, c'est ce qui se passe. Si c'est dans son jour, dis Dieu merci. Mais si ce n'était pas son jour, il est dans le jour où il a été tué par quelqu'un, c'est que son esprit est encore là. Hey! C'est que son esprit est encore là. Et tout ce que vous êtes en train de faire là, les mensonges, même les gens qui veulent manger sur son dos, sur sa, ils veulent les gens qui veulent profiter du décès de ce gars là pour pouvoir se nourrir là, se remplir le ventre, se remplir leur compte bancaire. Et tout se passe là. Les gens le voient. Il est en train de voir. Tout ça, il voit tout. Maintenant, les gens ne sont pas bêtes, ils sont en train de regarder. L'inquiétude des gens, c'est que cet homme-là soit enterré par des gens qui étaient ses ennemis pendant qu'il était en vie. Voilà. Il y a tellement de problèmes autour de ce dernier-là que vous ne pouvez pas vous imaginer. Tellement de problèmes. Il avait des ennemis. Et tout le monde savait qui étaient ses ennemis. Quel est l'accident? À l'hôpital. Tous ses ennemis sont devenus ses amis en même temps. Tous ceux qui l'ont abandonné sont devenus en même temps ses amis. Mes frères et sœurs, ça là, ça va arriver aujourd'hui, ça va arriver demain, ça va arriver après demain. Même chez nous, on dit. Le sorcier qui t'a tué là, ça sera la première personne à venir pleurer. Oui. Et on nous dit encore que certains cherchent à gagner. Non, il faut qu'on parle d'eux. Mais c'est une star. Ou qu'est-ce que vous voulez? C'est même ça la preuve qui montre qu'effectivement c'est une star. Si c'était personne, qui s'intéresserait à l'heure aller? Qui a longtemps même l'a enterré? Qui s'intéresserait même à lui? Ah! Qui s'intéresserait même à lui? Quand tu n'as pas de poteau, on ne s'intéresse pas à toi. Quand tu n'as pas de valeur, on ne s'intéresse pas à toi. Là, ils se disent, oh non, on va faire quoi avec toi-même? On va faire quoi avec toi? On nous dit que sa femme a tenté de se suicider. Ça là, est-ce que c'est vrai? Ma soeur, si c'est vrai, si tu regardes cette vidéo, cet homme a resté 4 enfants sur la terre à ma connaissance. 4 enfants. Tous ces enfants sont jolis. Et toi, tu es la seule personne qu'il a décidé de doter. C'est-à-dire, devant tout le monde ici, on sait que ça a eu lieu et que c'est toi qui t'as la maison et qui est resté avec lui jusqu'au dernier moment. Ta fille là, elle est bébé. Si toi tu t'en vas, tu vas donner à quitter à ton enfant. Si c'est réel, hein, mais écoute-moi bien. Si toi tu t'en vas, tu vas donner à quitter à ton enfant. C'est sûr même que c'est toi-même qui a connu la mort, là, lui il va regretter, il aura même mal. S'il apprend que tu as décidé, s'il apprend que tu as décidé toi aussi, parce que tu t'es donné la mort, quel que soit l'amour que vous aviez, ne permet pas de douter la vie. Reste en vie et que tu sois
la personne qui va réconforter les enfants là, qui va expliquer qui était réellement leur père à leurs enfants. Qui était réellement leur père. Parce que les gens sur les réseaux sociaux déjà, ils ont commencé déjà à expliquer qui était leur père. En réalité, ils ne savent rien de qui il était réellement. De qui il était réellement. Frère, ça, nous allons vous dire. Nous allons vous dire. Faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je préfère vous dire. Ne croyez ni croyez jamais à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Moi, je parle de ce genre de choses ces temps-ci parce que moi, j'avais eu un songe. Un songe où moi, c'était mon meilleur ami qui s'était fait abattre. Je vous explique, je ne vais pas entrer dans les détails encore ici. Allez regarder les vidéos précédentes. Moi, c'était mon meilleur ami. C'est-à-dire pour que tu comprennes bien que ça fait mal à Dieu même là. Dieu te montre ce songe et il prend ton meilleur ami que tu aimes. Pour que ça, le message passe bien, ça rentre bien dans tes os. Et que le, ton, tu sois touché émotionnellement. C'est pourquoi moi je parle de ça matin, midi, soir. Et quand je regarde même ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je me dis mais ah! Tout c'est comme ça. Hein. Que tu es rien, nous, on ne s'intéresse pas à toi. Hein. Mais quand tu meurs, là, ton corps a de l'importance. Même de son vivant, il ne coûtait pas plus cher que la manière dont il est mort, là où il est mort. Là même, son corps même coûte plus cher que son âme à l'intérieur de son corps. Ça, c'est que l'histoire. Et ça, c'est quelle histoire? Et les gens sont en train de lutter son corps. C'est nous, on veut, le gars, on veut l'entrer. Oh, c'est nous, on veut faire ceci. Oh, c'est nous, on veut faire cela. Récemment, il y a une star qui est venue. Cette star-là, c'est un footballeur. Il est arrivé pour apporter son soutien à la famille. Il dit c'était mon ami. Il a chanté même pour moi de ses chansons. Il ne faudrait pas qu'il soit injuste. Et il est venu. Là, il a salué la maman. Et vous savez, toujours c'est filmé. Toujours c'est filmé. C'est filmé pour que les gens puissent juste voir. Que tout le monde regarde. Que tout le monde regarde quoi. Que tout le monde regarde. Que tout le monde regarde. Et quand c'était parti, automatiquement les gens ont commencé à parler pour dire qu'il a laissé de l'argent. Et les gens ont commencé même à donner la somme, hein, 40 millions. Les gens disent qu'il a laissé 40 millions à sa maman. Et c'est sa maman qui veut bouffer tout seul. Les gens parlaient. Et on nous même dit que. Les gens même racontent encore que sa maman a chassé sa femme de la maison. Regardez ce qui s'est passé. Hein. Mon Dieu. Sa maman a chassé sa femme de la maison. Les gens me font plus loin pour dire, oh, vous savez, ils ont cassé son placard pour prendre de l'argent. Ils disent, oh, ils ont cassé son placard pour prendre de l'argent. Les gens commencent à parler sur sa maman pour dire que sa maman n'a pas elle, ne l'a pas aimé. Elle voulait juste profiter de son étoile. Elle voulait juste profiter de son étoile. Maintenant, vraiment. Les frères et sœurs, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Si vous êtes connu, si vous êtes vraiment connu, si vous êtes une personne aimée, c'est joli, c'est intéressant. Mais le jour de votre mort, les gens vont vous massacrer sur les réseaux sociaux. Prenez vos précautions avant que la mort ne vous trouve en même temps, quoi. Prenez vos précautions. Les gens vont vous massacrer sur les réseaux sociaux. Le gars même lui-même, il faisait le buzz de son vivant sur les réseaux sociaux.
Ça veut dire que déjà, il a entraîné les gens même à parler, même à sa place, même après sa mort. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, ce sont parfois des choses qui n'arrangent pas la situation. Ce sont des choses qui vont de l'essence de dénigrement, mise à l'écart, tout ce genre de choses. Est-ce que vous apprécierez ça? Est-ce que vous-même vous apprécierez ça? Est-ce que vous aimeriez ça? Vraiment ça? Que après votre décès, les gens commencent à parler comme ça. Et c'est ce qui se passe encore hein, après la disparition d'une star. Surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Surtout en Afrique où nous sommes là. Là même c'est pire. Les gens vont venir se partager vos biens. Les gens vont venir, je vous assure. Vous allez les voir. Ils vont venir. Tout le village va se déplacer. Chez nous, on dit qu'il y a les pleureuses. C'est-à-dire, elle est spécialité là. C'est de pleurer. Elles vous connaissent ou elles ne vous connaissent pas. Elles, quand elles arrivent là, elles se jettent sur le sol. Elles vont faire des roulades arrière, roulades avant, sauter, tomber. Parce que l'argent va sortir. Parce qu'à la fin, vous allez donner pour eux. Ils ne viennent pas en soutien. Hein? Mais il vient pour vous dépouiller, quoi. Il vient pour prendre, et pour prendre, même si ça vaut vos os là, ça peut revendre vos os, ils vont même prendre vos os là pour partir. Et sa femme, oui, il va vous dire, hein. Ah, et sa femme et ses enfants. Hey, que Dieu les protège vraiment. Que Dieu les protège. Que Dieu les protège. Que Dieu les protège. Et que Dieu vraiment les garde, quoi. Que Dieu les garde. Ah! Parce que chez nous, là, moi je connais un ami. Dès que son père est décédé, dès que son père est décédé, là, sa maman, elle a commencé à vider la maison en même temps. Elle a commencé à vider la maison. C'est comme si elle-même elle savait quoi. Voiture. Quoi que ce soit dans la maison. Elle a vidé. Elle a tout enlevé. Pour positionner le tout quelque part. Dans un endroit secret. Un endroit secret quoi. Parce que. Elle savait. Que son mari avait beaucoup de biens et que le bataillon, c'est-à-dire son village, même les gens qu'elle ne connaît même pas, vont venir pour essayer de prendre quelque chose, pour essayer de s'enrichir sur ce qui ne les appartient pas. Or, elle a travaillé dur avec son mari pour accumuler toutes ses richesses. Et c'est ce qui s'est passé. Chacun, une star se lève, elle vient. Franchement, moi je veux vous soutenir. Voici, je donne tant. Voici, je veux vous soutenir. Je donne ceci, je donne cela. Mais il me semble que c'est mal organisé en ce moment. D'après les informations qu'on a reçues, on nous dit que c'est mal organisé. On ne sait pas qui fait quoi, et puis qui fait ceci. Et même ceux qui étaient ses ennemis-là. Sont avec soi se mettre des fois au point où les militaires de la diaspora, les responsables des militaires de la diaspora, sont venus prendre la parole et envoyer une lettre, un message à celui-là même qui est en train de prendre le dessus sur tous ces genres de choses là pour lui dire: ah mon frère, écoutez bien, hein, que ça nous donne des leçons, que ça nous aide à comprendre. Que cette histoire nous aide à avoir tiré des leçons pour que nous-mêmes là, nous soyons vigilants aussi et nous préparons même notre mort, même si nous allons vivre longtemps. Ah, on ne sait jamais. Voici ce qu'elle dit dans le message. Il dit à cet homme qui a été de prendre le dessus sur la chose. Il dit: toi, quand à ton temps là, il y a votre leader qui est décédé, c'est encore toi qui étais là. 10 ans ou quelques années plus tard encore, voici un autre gars important de notre game qui est décidé, c'est encore toi qui es là. Or, on sait ici que tu étais en conflit avec ce dernier.
C'est le message là qui parle ici. Hein. Ce que je vous dis. Tu t'es en conflit avec ce dernier. Et puisque tu t'es en conflit avec ce dernier, nous et tous ses fans, nous disons que toi, tu dois t'écarter du mouvement et laisser les gens qui étaient avec cette personne-là faire le travail. Sinon, le mort là, il va se lever et il risque de te gifler. Un peu fait rire. Hein? Et ce qui se passe, c'est ça actuellement que nous sommes juste en train de vous raconter. Pour que cette histoire-là vous serve de leçon à vous-même. Quand vous n'avez rien, on ne s'intéresse pas à vous. Mais comme votre étoile brille, même votre cadavre s'intéresse les gens. Même vos ennemis ont venu pleurer. Toi-même, tu vois, toi-même, tu es mort. Hein? Tu es mort, tu es sorti de ton corps. Mais tu es encore là. Et puis tu regardes les gens qui sortent de mentir, qui sortent de faire semblant de mentir sur ce qui se passe avec toi. Ils sont en train de juste mentir. Mentir et mentir et mentir sur les sentiments pour toi. Et voici des choses qui se passent sur moi. Ah, vous comprenez? Vous comprenez ce qui se passe? Toi, mon frère, ma soeur, si tu as des enfants, il faut plus t'amuser. Dès que tu commences à avoir un enfant, ne t'amuse plus. Dès que tu commences à avoir des pieds, surtout en Afrique, il faut plus t'amuser. Sois vigilant, sache où tu mets les pieds. Il faut prier que tu te donnes longue vie. Pour que tu puisses voir tes enfants grandir. Tes enfants grandir. Si tu m'as laissé 4 enfants. Son dernier enfant même peut-être le sien. Peut-être le sien. C'est un bébé. C'est une fille. Il était collé à sa fille. Son fils a quitté la. Le roi pour venir passer les vacances avec son père. Et c'est dans ces instants-là que son papa est parti. Et sur les réseaux sociaux, on parle moins de son fils, on parle moins de sa femme, on parle moins de ces personnes-là même qui sont même restées. Mais on parle plus de lui, de gens qui normalement n'étaient pas avec lui à la maison. Tout ce que nous sommes en train de vous expliquer, c'est que ça soit vous dit, que ce soit quelque chose qui vous aide à comprendre réellement qui est l'homme, qui sont les humains. Vous avez de l'importance pour les gens que lorsque votre étoile brille, c'est-à-dire quand vous êtes. Vous avez l'argent. Même sur le véhicule là-bas, c'est écrit quoi? Est-ce que vous voyez même? C'est écrit Richardson. Pourquoi ce n'est pas écrit Pauvreté Son? Parce qu'elles sont bêtes. Elles ne sont pas bêtes. Mes frères et sœurs, voici ce qui a dû se passer. Face à cette histoire, moi vraiment, je me dis. Si vous pensez que vous avez fini de connaître l'homme, vous vous trompez. Si vous pensez que vous avez fini de connaître l'être humain, vous vous trompez vraiment. Et ça ne va pas s'arrêter. Les choses vont commencer à se raconter. Qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux? C'est un sujet de discussion. Les gens sont en train de s'insulter. Les gens sont en train de s'attaquer. Ils sont en train de faire des choses. Même à certaines personnes qui disent, ah, les amis, tout le monde se lève ici, dit ça. Tout le monde se lève ici, dit ça. Créez une page web où nous, on va avoir les informations authentiques. Et permettez aussi que nous venions lui dire au revoir.
même si on n'a rien, même si on n'a rien, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ce dernier faisait des dons. De son vivant, il faisait beaucoup de dons aux orphelinats. Il faisait ce qu'il pouvait faire. Normalement, quand tu donnes, toi aussi tu reçois. Mais il faudrait que les dons qu'il va recevoir, même du président, même des... Parce que le président même est choqué par cette histoire aussi. Le président, toutes ces grandes personnalités-là sont même choquées par cet événement. Et eux veulent apporter leur soutien. Moi, il y a que donner un conseil à ces genre de personnes. Si vous êtes intelligent, les personnalités, tout ça, là. Si vous êtes intelligent, faites ce que vous pouvez faire d'abord pour que ce dernier s'entende comme il se doit. Maintenant, attendez. Après l'enterrement, tout ça, ça serait calmé. Maintenant, vous allez visiter chacun de leurs enfants. Vous allez visiter sa femme et faire quelque chose de bon pour eux en secret. Personne ne sait. Au moins ça aura apporté ses fruits. Mais toutes les personnes qui ont venu se filmer pour venir faire donner, faire ceci, faire cela, c'est bien. Mais ça ne compte pas trop. Ça ne compte pas. Parce que les gens vont dire, oh, vous êtes filmé. Les gens vont dire à ce moment, oh, vous êtes venu vous faire voir. Vous êtes juste venu vous faire voir. Même les gens qui sont même en train de pleurer. On dit, oh, vous êtes de la même, c'est même de la blague. Vous faites ça parce que vous cherchez le nom. Même ceux même qui étaient en parlant avec lui, ils sont dit, ah, on avait prévu faire un truc ensemble. Oh, mais pourquoi tu m'as quitté si tôt? Mes frères, c'est comme ça. Mais il est déjà parti. Nous devons vraiment faire attention à notre vie. Parce que ce que tu fais pour ton prochain là, toi aussi on va te faire ça un jour. Tout se paye ici sur terre. Tout se paye ici sur terre. Cet homme là, un jour dans une de ses vidéos, il a dit que le jour où je vais mourir, je touche du bois. Soit c'est par accident. Si je suis tombé de ma moto, que je suis blessé, je vais aller me faire soigner en Europe. Mais au pire de cas, si je suis mort, si j'ai perdu la vie, on touche du bois. C'est ce qu'il disait. Au pire de cas, si j'ai perdu la vie, personne ne viendra cotiser à ma place. C'est-à-dire que personne ne viendra faire de ces choses sur mon dos. Les gens disent qu'effectivement, c'est comme si cet homme savait qu'un jour, il perdait la vie sur l'une de ses motos, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était déjà même conscient que là, dans sa famille, de loin comme de près, il sait que il y a des gens qui font semblant. Il sait ce qui se passe, il sait ce qui se passe en réalité. Et il savait carrément tout ça. Et c'est un message réel. Peut-être que quand il parlait comme ça, les gens, même ses fans disaient que oh, c'était comme d'habitude, c'est juste de la blague. C'est même réel. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Vous-même, vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Peut-être que nous allons vous en parler encore. Nous profitons de cette histoire pour en tirer des leçons. Des leçons solides. Des leçons. Que Dieu vous donne longue vie. Pour voir vos enfants grandir. Pour voir vos enfants grandir. Et veillez à ce qu'ils soient stables eux aussi. Avant que vous les dites au revoir. On dit pourquoi si tôt. Et que se passe derrière son tour. Mes frères et sœurs, un conseil. Faites attention. Si vous voulez soutenir sa famille, écoutez-moi bien. Si vous voulez vraiment soutenir sa famille, si vous avez prévu donner à sa famille 10 millions, donnez 2 millions. Ou bien donnez, au pire des cas, 5 millions. Mais les 5 millions qu'ils vont laisser là,
Écoutez-moi bien, hein. C'est là. Après cette histoire, l'enterrer, tout c'est fini. Vous, si vous êtes gentil et que vous voulez vraiment aider la famille, allez donner les 5 millions à sa femme. Elle va faire un commerce. Elle va faire ce qu'il faut pour que les enfants là puissent suivre. 4 enfants, c'est pas petit. C'est pas 1, c'est pas 2. C'est pas 3, c'est pas 4. C'est pas. Et puis les enfants sont jeunes, ils sont petits. Il y a même un nouveau-né. Mes frères et sœurs, réfléchissez. Et n'essayez pas de vous faire avoir de ce vacarme. C'est même plus tard. Voici ce qui se passe encore après la disparition d'une star. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à activer la cloche. Peut-être que nous ferons une autre vidéo. Nous venons nous réveiller. C'est ce qu'on a vu hier qu'on vous raconte ici. Peut-être qu'on s'est trompé. Peut-être qu'on a oublié quelque chose. Réagissez dans la partie commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. Et quel conseil vous pouvez donner aussi à la famille. Peut-être qu'en passant, quelqu'un de très important tombera sur cette vidéo et regardera la partie commentaire pour voir vos idées. Parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui le plus, ce sont ces enfants-là. Ce sont ces enfants. Ce sont ces enfants. S'il n'est pas mort, je dis Dieu merci. Parce que je voulais qu'il soit en vie, quel que soit qui il est, je voulais qu'il soit en vie pour sa fille là. Sa fille là. Maintenant, ces enfants vont se consoler avec quoi? Ces vidéos postées sur les réseaux sociaux. Ce sera ça, ses inspirations. Maintenant que ces enfants verront les gens qui l'ont insulté, les gens qui l'ont insulté de son vivant, qui étaient même ses ennemis. Prions pour ne pas qu'ils se révoltent contre ces gens-là. Parce que là, ça risque de créer encore une autre guerre. Mais soyez fort et vigilant. Et laissez tomber l'affaire. Mettez bas la terre. Avançons. Avançons, mes frères et sœurs. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Nous venons de nous réveiller et nous sommes même chauds. Abonnez-vous.